Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors petite, c'est pas une boulette, hein, mais bon, ce matin, tout le monde veut prendre de sa place, hein, dans quel sport, Christophe Dominici. Alors j'aime bien parce que bon, il y en a qui disent Dominici et d'autres Dominici. Donc bon, Nagui a dit Dominici. Donc a-t-il été sélectionné plus de 60 fois en équipe de France? Bah, la personne s'est plantée, donc c'était bizarre quand même. Mais bon, c'est vrai que c'était, ça a été enregistré il y a plusieurs temps, mais bon, c'est pas une boulette, hein, c'est juste une question, donc voilà. Bon, allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann était très très loin. Le maître de midi avait toujours 2 pouces, on a vu son papa en train d'embarquer tous les cadeaux qu'il avait gagnés donc, dans la vitrine. Au coup d'envoi, la première question super dure. Quel adjectif qualifie le mieux quelqu'un qui est blanc comme neige? Donc il n'était pas sûr, donc il a dit l'autre, bien sûr, que c'était innocent, un peu comme Sarkozy. Voilà. Après, donc, vous aviez de très très sympathique Christophe qui me faisait penser à un acteur, je ne sais plus son nom. Il avait joué dans un film, c'est pas grave. Alors, qui était venu avec Sofiane et Joe et donc ses amis. Donc, alors, première question, quelle activité a manqué le plus aux Français pendant le confinement? Eh bien, c'était les balades de plus d'une heure. Après, vous avez Rémi, très sympathique, qui était venu avec Florian et Jordan, ses amis. Bonjour tout le monde. Avec quel artiste le duo Madame Monsieur parti en terre inconnue? Donc, bien sûr, c'est Black M. Après, vous avez Tiffany, qui a perdu un peu la tête. La belle-sœur Aurélie, bonjour mesdemoiselles, mesdames. Les Françaises sont-elles plus ou moins de 10% à déjà avoir eu recours à la chirurgie esthétique? Eh bien, je crois que c'était moi. Quelle institution siège au palais Prévost à Paris? Donc, bien sûr, c'était l'Assemblée nationale. Pourquoi Samson, le chien de la flotte Remson, l'ancien président de la République d'Islande, a-t-il fait récemment la une de l'actualité? Eh bien, parce que. Il est issu d'un clonage. Ensuite, que fait quelqu'un qui pratique le signe sur les réseaux sociaux? Donc ça c'est pareil, hein. Donc, c'est encore une question anglaise que personne n'utilise, donc il ne montre pas tout. Tiens, elle avait